Ça me fait bondir quand on me demande comment on fait pour gérer ses émotions. Mais tu peux pas gérer tes émotions. Gérer tes émotions, c'est comme vouloir gérer quelque chose qui se produit à l'intérieur de toi, ton corps qui génère quelque chose, ça veut sortir et toi tu veux le retenir. Pourquoi? Pour être plus discret, pour déranger personne, pour pas te faire remarquer, pour pas t'exprimer. Pour mieux mentir aux autres et te mentir à toi-même sur ce que tu es en train de vivre ou d'expérimenter. Vouloir gérer ses émotions, c'est pas très jojo ce que je vais dire. C'est comme avoir envie de vomir et de se retenir. C'est pareil, t'as pas une tête où. Ça se voit qu'il y a un truc qui se passe. Alors, libère ton émotion, c'est juste quelque chose qui soulage. Et souvent, quand tu es malade et que tu laisses aller, ben, après, ça va mieux. L'émotion, c'est pareil. Ce qui te dérange, c'est que ton émotion, elle gêne les autres. On est quand même globalement dans une société où, moi, je me souviens très bien petite, on me disait, pleure pas, ça va pas régler ton problème. Et puis, les petits gars, ça va, arrête de chialer, t'es pas une chouchotte. On est quand même dans une génération où on nous a bravement endormi les émotions de base. C'est bon, c'est juste une rééducation à avoir. C'est naturel, les émotions.